s'était posé des questions lors du premier match contre le Burkina, où nous avions été rattrapés, il faut le dire, dans les derniers instants. Derrière, nous avons pu gérer ces éliminatoires de manière parfaite. Et nous, je dirais pas qu'on a terminé en roue libre, mais on peut dire qu'on a terminé de manière très maîtrisée cette compétition. Nous savions déjà par expérience que c'était des éliminatoires qui se jouaient dans une poche de 3 mois. Et nous savions aussi que les équipes qui avaient les meilleurs effectifs, les meilleures qualités de joueurs, les meilleurs encadrements, mais les meilleures organisations finiraient mieux que les autres. Et le Sénégal est arrivé à démontrer toutes ces qualités-là. Nous avons pu voir aussi que avec le départ d'Aliou, ça aurait pu être un coup dur, mais tous ensemble, d'abord le staff technique qui était avec lui, qui a accepté d'être ensemble, de rester pour conduire la barque jusqu'au bout, mais aussi les joueurs qui ont fait corps avec le staff technique pour relever le défi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. On va rebondir, répondre sur le staff technique, partir ou maintenu. Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Je ne suis que le président de la fédération. Il y a un comité exécutif qui va se réunir. Et je pense que nous devons aussi bien à notre équipe nationale qu'aux Sénégalais de prendre cette affaire-là avec beaucoup de sérieux, définir des critères en amont, définir des profils. C'est vrai, nous n'en lancerons pas un appel à candidature internationale. Nous recevrons, comme c'était souvent le cas auparavant, 100, 200 candidatures. On n'en a pas besoin. Nous sommes le Sénégal, nous avons fait du chemin, nous savons qui nous savons ce que nous voulons. Nous pouvons donc et définir les critères de choix et profiler les personnes qui peuvent remplir en tout cas les critères que nous voulons. Et nous allons travailler sur ça dès les prochaines semaines. Parce que notre souhait, c'est que d'ici la fin de cette année, on puisse connaître bien entendu le nouveau sélectionneur et son nouveau staff. Et bien entendu, quand je parle de profil, vous avez vécu avec nous les expériences que nous connaissons. Très souvent, vous le savez aussi, nous sommes très fidèles à l'expertise nationale. Et nous ne dérogerons pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne change pas un système qui marche. On parle de coach, c'est eux qui ont des systèmes. Mais même une fédération doit avoir un système. Et notre vision, nous la maintenons parce que nous pensons qu'elle est la bonne. Et nous privilégierons les pistes d'entraîneurs nationaux, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, pour pouvoir continuer cette mission que Aliou avait si bien. Un petit résumé à Olaf.